Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. On écoute la surat Al-Qari'a. Vas-y. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'a. Al-Qari'a. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو عيشة راضية فهو في عيشة راضية وما أدراك أما من ثقلت خفت موازينه فهو عيشة فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار الله الحامية نار حامية ما شاء الله حسن الله إليك سبيات C'est bien, allons le faire, Moumtaz, vas-y. Vas-y. Moumtaz. Vas-y. Allez, c'est bon là. Vas-y, allez. Bah ouais, c'est pas Moumtaz, c'est Moumtaz. Allez, haïa. Donc, on prend la page 36, les enfants. Tu peux lire. On a fait la page 34 ou pas? Non. Donc, on prend la page 34. Tu peux lire. Là-bas. C'est notre nouvelle. Je peux lire, Moumtaz. Vas-y, Mohamed, on t'écoute. Donc, Allah Azza wa Jal nous demande de nous rappeler de lui tout le temps. Alors, comment on peut faire pour se rappeler d'Allah? Comment on peut faire pour se rappeler d'Allah? Oui, Zahrou? Alors, la prière, oui, c'est une manière de se rappeler d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, Hamza. En évoquant Allah, le 99 noms. Très bien, en évoquant Allah Azza wa Jal, en apprenant ses 99 noms et en vivant avec. C'est-à-dire qu'on sait qu'Allah Azza wa Jal, il nous surveille. Il nous voit, il nous pardonne, d'accord? Je connais la moitié des... Et il faut vivre avec les noms d'Allah, Azza wa Jal. Comment on peut vivre avec les noms d'Allah? Hamza? En faisant la prière, des invocations... Non, tu n'as pas répondu puisque tu parlais quand j'ai posé la question. Comment on peut vivre avec les noms d'Allah? Tiens, aide Ilham à mettre sa page. Un exemple, tu sais qu'Allah Azza wa Jal, il s'appelle El-Ghaffar. Celui qui pardonne tout le temps. Mais dès que tu vas faire une bêtise, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander à Allah de te pardonner. Tu sais qu'Allah, il s'appelle El-Sami'a, celui qui entend tout. Mais dès que tu vas dire une bêtise, tu vas te rappeler qu'Allah t'a entendu. Tu sais qu'Allah, il est El-Raqib, celui qui surveille tout. Il observe tout. El-Basir, il voit tout. Donc, à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas savoir que Allah Azza wa Jal te surveille. Également, nous devons placer entièrement notre confiance en Allah Azza wa Jal. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire placer sa confiance en Allah? Oui, Hamza. Être confiant en Allah, lui faire confiance et... C'est-à-dire qu'on a entièrement confiance en Allah. On sait que tout ce qui se passe, c'est parce qu'Allah, il a voulu. D'accord? Tout ce qu'Allah, il veut, ça se passe. Et tout ce que je veux, est-ce que ça se passe? Non. Ça peut se passer seulement si Allah, il le veut. Puisqu'Allah, Azza wa Jal, il a créé, c'est lui qui a créé les serviteurs. Et Allah Azza wa Jal, il sait tout ce que les gens
font. D'accord ? Donc nous devons dire Bismillah avant de commencer à manger, à boire, à lire et pour tout le reste. Donc cette parole Bismillah, quand tu dis Bismillah, qu'est-ce que tu demandes à Allah ? Tu demandes à Allah son aide. Tu demandes à Allah de t'aider. De te protéger. Puisque si Allah Azza wa Jal ne t'aide pas, tu ne pourras rien faire. Rien faire. D'accord ? Et également, quand tu dis Bismillah, ça augmente la baraka. Qui sait c'est quoi la baraka ? Oui. C'est une bénédiction. Très bien. Et c'est quoi une bénédiction ? Une bénédiction, c'est-à-dire quand Allah te donne quelque chose de bien. Un exemple, Allah t'a donné la vue. Ou Allah t'a donné la santé. La baraka, ça veut dire que si Allah te met la baraka, la bénédiction, c'est-à-dire que ta santé, elle va rester et va te donner encore une meilleure santé. Si Allah t'a donné de l'argent et tu demandes à Allah de bénir cet argent, de mettre la baraka dans cet argent, eh bien, à la fois, tu vas toujours avoir de l'argent et tu vas en avoir plus. C'est ça la baraka. D'accord ? Donc, quand tu lis un livre, tu dis Bismillah. Avant de manger, tu dis Bismillah. Avant de boire, tu dis Bismillah. Avant de dormir, on dit Bismikallahumma amutu wa ahya. Avant d'aller aux toilettes, avant de rentrer aux toilettes, on dit Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Mais avant de dire Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith, on dit Bismillah. D'accord ? Pas oublier ça. Non, après, alors non, c'est pas dans les toilettes, ça c'est interdit. On prononce pas le nom d'Allah quand on fait ses besoins. C'est avant de rentrer dans la porte. Quand tu es encore dans le couloir, tu dis Bismillah. Allahumma inni a'udhu bik min al-khubthi wal-khaba'ith. Alors quand tu es rentré, vaut mieux éviter puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna hadhihi al-hushush muhadara. Donc vaut mieux éviter, mais le mieux c'est de le dire avant, lorsque tu es avant de franchir la porte. Tu dis Bismillah, répétez Bismillah. Allahumma. Allahumma. Inni. Inni. A'udhu bik. Min al-khubthi. Wal-khaba'ith. Donc là, tu demandes à Allah de te protéger contre tout le mal qu'il peut avoir dans les toilettes. C'est pas grave. D'accord ? Donc Allah Azza wa Jalla, il a combien de noms ? 99. Non. Lisez ce qui est marqué en rouge. 99. Non, vous lisez pas, non ? Plus. Allah Azza wa Jalla, il en a plus que 99. Allah Azza wa Jal, il a plus que 99 noms. Mais celui qui en apprend 99, qui les comprend et qui vit avec, qui les applique, entrera au paradis. Ben, si quelqu'un il connaît les noms d'Allah, il ne va pas réussir à faire des péchés. Puisqu'au plus où il connaît Allah et au plus où il applique les noms d'Allah, ben, il n'arrivera pas à faire des péchés. Puisque lui, s'il les connaît vraiment, mais il va savoir qu'avant avant de dire une bêtise, Allah, il entend. Donc, il ne passe pas à la dire. Avant de faire un péché, Allah, il le voit. Il va savoir qu'Allah, il est Ad-Dayyan. Celui qui, parmi les noms d'Allah, il est Ad-Dayyan. Allah, Azza wa Jal, c'est celui qui va nous demander des comptes, il va nous juger. Donc, quelqu'un qui les applique vraiment, il n'arrivera pas à faire des péchés. Il ne voudra même pas faire un péché. Ça ne l'intéressera même pas. Parce que lui, il connaît parfaitement Allah. Et au plus où tu connais Allah, au plus où tu as peur d'Allah. Et au plus où tu as peur d'Allah, au plus où tu veux lui l'adorer. Et au moins où tu connais Allah, au moins où tu as peur de lui, et au moins où tu l'adores. T'as compris, Kaina ? D'accord, les enfants ? Exactement. Allah Azza wa Jalla sait exactement ce que tu vas faire. Écoute bien, écoute bien. Allah Azza wa Jalla, il sait tout ce qui s'est passé dans le passé. Tout. Il sait tout ce qui se passe.
maintenant. Exactement. Même ce que j'ai dans la tête. Exactement. Il savait même avant que tu parlais. Allah Azza wa Jalla, il savait ce que tu allais dire maintenant avant que tu étais né. 50 000 ans avant qu'Allah ait tout créé, il a ordonné à la plume de tout écrire. Tout était écrit. Même si j'étais même pas encore née. Bien sûr. Tu sais, ça veut dire quoi, 50 000 ans avant qu'il a tout créé? La terre, elle n'existait même pas. Le ciel n'existait même pas. Les arbres n'existaient même pas. Alors, il n'y avait rien du tout, sauf Allah Azza wa Jal. C'est lui, Allah, c'est lui le premier et c'est lui le dernier. Donc, retiens ça. Allah, il sait tout ce qui s'est passé. Il sait tout ce qui se passe et il sait tout ce qui va se passer. Regardez, ouvre la porte, Keïna. Sakina, pardon. À droite, à droite, à droite. Vas-y. Ouvre. Voilà. Regardez l'arbre là-bas, tout au bout. Vous le voyez, l'arbre, ou pas? Vous le voyez ou pas? Peu importe, regarde un arbre. Est-ce que toi, tu arrives à compter le nombre de feuilles? Non. C'est possible ou pas? T'arriveras à compter ou pas? C'est impossible. Allah Azza wa Jalla, il sait exactement le nombre de feuilles qu'il y a dans les arbres du monde entier. Allah Azza wa Jalla, il sait exactement la moindre feuille d'un arbre qui tombe, qu'elle soit en Chine, qu'elle soit en Australie, qu'elle soit une feuille, elle tombe, Allah, il la sait. Quand il pleut, est-ce que tu arrives à compter le nombre de gouttes qui est tombé? Non. Allah Azza wa Jalla, il sait exactement le nombre de gouttes. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il est parfait. Donc on a dit, on écoute, Allah Azza wa Jalla, il sait tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer. Allah, il sait même des choses qui ne se sont jamais passées. Un exemple. T'es où là? T'es au cours d'arabe. T'es d'accord avec moi? Si t'aurais été chez toi, t'aurais fait quoi là maintenant à ce moment-là? Est-ce que tu sais exactement dans quelle pièce tu serais? Qu'est-ce que t'aurais fait? Eh bien, Allah Azza wa Jalla, il sait exactement que si t'aurais été chez toi, ce que t'aurais fait. Moi, je sais ce que j'aurais fait. T'as vu la puissance d'Allah? T'as compris ou pas? T'as compris ou pas? Moi, je sais ce que je veux dire. Dis Allahu Akbar. Répétez Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar Kabira. Allahu Akbar Kabira. Walhamdulillahi Kathira. Walhamdulillahi Kathira. Wassubhanallah. Wassubhanallah. Bukratan wa asila. Bukratan.